Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est SenorSkill. Je vous retrouve pour cet épisode 15 sur Elden Ring. L'épisode 14, vous m'avez vu affronter Godric le déchu, Godric le greffé, pardon. Et du coup, j'ai mouru comme un sagouin. Donc j'ai voulu farmer, voilà, on a visité pas mal de trucs, vous étiez nombreux avec moi en stream. Donc pour YouTube, lâchez des gros pouces bleus si la vidéo vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires, et abonnez-vous, partagez sur les différents réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir si vraiment mon travail me plaît. Si vous regardez également, si vous adorez Starbound, sachez que l'épisode 6 arrive la semaine prochaine. Puisque du coup, en fait, je suis l'un des rares youtubeurs à proposer à l'heure actuelle en 2022 du Starbound. Donc merci en tout cas pour vos commentaires et vos nombreux retours. Vous êtes extrêmement nombreux, que ce soit pour Elden Ring ou pour Starbound, qui sont mes principales séries. Et je vous rassure, Starbound arrive très très vite la semaine prochaine. Voilà, c'est vrai que j'enregistrerai, vous avez dit à l'épisode 5, la semaine d'après, ça arrive. Donc là, je vais profiter de souffler un petit peu et de vous proposer du Starbound. Voilà, c'est une série qui est exclusive à YouTube. Et en contrepartie, voilà, vous avez Elden Ring que vous pouvez découvrir en live sur Twitch. Vous avez ma chaîne, donc, comme je vous le dis, dans la description et dans le commentaire épinglé. Sans plus tarder, les amis. On va passer au jeu. Voilà. On est bien là, non? Alors, montez niveau. Voilà, comme ça je peux. Hop, voilà, gérer. Avec ma petite manette. On est bien là. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, les amis. Alors, donc j'étais. Comme je vous le disais, je suis dans le château de Valourage. Voilà, là-bas géant. Là-bas Godric. Donc ce que l'on va faire. J'ai augmenté hier. J'ai augmenté, vous voyez, ma clé mort en plus 6. Donc ce que l'on va faire avec 9000, je vais tenter. Je vais juste me souvenir de où se situe le. Alors attendez, c'est pas ici. Je crois que c'est la chapelle de Bello. Je veux pas dire de bêtises. Je sais plus si c'est ici. Tac tac. Ouais, non, me semble-t-il que c'est ici. Me semble-t-il que c'est ici. Où l'on peut. Où l'on peut acheter en fait auprès d'un PNJ, donc un personnage non joueur. Non, je me suis trompé. Donc c'est pas du tout ici. Ah, je crois. Ah, alors c'est possible. Ah, alors c'est là. Bon, je vais me téléporter, c'est pas très très grave en soi. Je vais me téléporter ici. Voilà, c'est juste lui. Voilà, c'est lui qui permet en fait d'acheter jusqu'à des pierres. Jusqu'à. I presume you. Oh, I am an old Attendez. Ah oui, mais je crois. Non, je crois que c'est que des. C'est que ce ne sont que des. Attendez. Ah, ce sont des. Voilà, ce sont des pierres de. Des pierres de sombre. Alors que je ne veux pas des sombres, je veux. Hop. J'aurais aimé des pierres. On va retourner. Donc, bon, j'y suis déjà allé hier soir, mais on va retourner. Auprès du forgeron de la table ronde pour pouvoir voir s'il me vend autre chose. Alors c'est. Non, il est par là-bas. Voilà, avant d'entamer le combat contre Godric, je veux optimiser ma run au maximum. Bon, ça, on s'en fout, voilà. Alors, vraiment duplication, cendre de guerre. Non, j'ai là, ça, j'ai ça, c'est. Je vais pas dire que c'est cheaté, mais. Alors, pierre de forge 3, non. Voilà. Bon. Allez, allez. Où pourrais-je trouver des pierres de forge des pierres de forge niveau 3? Là, du coup, ici, ouais, c'était le boss un peu. C'est le boss un petit peu random. Enfin, pas random, mais autour du. Guerre, ruine de situation des semi-mecs. Donc j'y suis là, j'y suis déjà allé, hein, on est bien d'accord. Là j'ai défoncé un boss aussi. Défoncer c'est un bien grand mot. Pour 8, on y est déjà allé. Pour récupérer un des médaillons de Dectus et l'autre, je crois que. Oui, on a récupéré donc le Dectus là-haut. L'ascenseur de Dectus, le grand ascenseur de Dectus. Si je veux, je peux y aller, mais. Je n'ai pas du tout. Voilà, c'est une zone qui va se débloquer par là, mais c'est pas du tout une zone faite pour moi. Ensuite, donc là, tac tac tac, là-bas c'est avec Godric, donc on vient ici. C'est après avoir vaincu tout ça là, cette partie-là, c'est vraiment après avoir vaincu Godric qu'on peut y aller. Encore, c'est très très dur parce qu'il y a des géants.
Échauguette, là, cellule isolée, donc voilà. Palais de surplomb du lac. Non, du coup, non, du coup, le boss où je suis, le mob où je suis là, c'est pas du tout là. D'accord, là, je suis sûr que j'ai loupé des trucs ici. Vous voyez, rien que, ne serait-ce que là, il y a un truc ici, un truc ici. Je suis sûr que, ne serait-ce que ici, là, il doit y avoir un truc. Ici, là, ça a l'air d'y avoir un truc. Voilà, attendez deux petites secondes. Deux petites minutes. Voilà, je vous fais patienter un petit peu. On est bien là, on est entre nous. Je suis sur la carte. Je fais mes petits tweets. Voilà. Non, on est bien là, on est entre nous les amis. Voilà, donc je disais que l'on a... je ne sais plus qui me disait que... Ouais, Postmortem me disait que j'étais suffisamment puissant pour aller me friter contre un truc. Mais là, ce que j'aimerais en fait surtout, c'est pouvoir acheter des pierres sombres, des pierres de forge. Mais je ne sais pas du tout si c'est possible. Je vais aller voir... Lucy Denels, comment ça va? Bonsoir les amis! Allez, je suis... Hop! Ah oui, tiens! Oh. Parlez à ce petit... Ok, il est cool lui, tiens! Once the wisdom of... As a true member of the... I have high hope. I'm cities. Eh? We've spoken long enough. C'est tout? We've spoken Ça déconne qu'un noob. Bon, ben... Voilà, quoi. Ben, y compris. Bon, on va aller voir les deux... Bon, lui... attends, lui, j'avais récupéré ce qu'il me disait, ou pas? Bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller par le jumel. Acheter. Alors, est-ce qu'elle me vend quelque chose d'intéressant? Bon, ça, l'armure, je m'en tape. Ah, mais là, de toute façon, c'est tous les objets. Et tout ce qu'elle vend, c'est tout ça. Donc, rien n'est très intéressant. Un arc, ouais, l'arc, pour l'instant, je n'ai pas très très besoin. Donc, c'est pas bien grave. Non, mais écoutez, c'est dommage, j'aurais aimé. Bon. Non. Tu es isolé. On va essayer. Autre chose. Essayons autre chose. Bon. Eh bien, c'est parti pour la première tentative. C'est parti pour la première tentative. Wow! Wow.
Wow! J'en étais sûr, j'allais mourir, j'en étais sûr. Bonsoir les amis, bienvenue à tous ceux qui rejoindraient ce live. C'est Senderskin. J'ai mouru. Non, avec petite délectation. Mais il faut que j'apprenne, en fait, tout simplement, il faut que j'apprenne ces patterns. Hein. Post-mortem me dirait, mais tu peux, mec, tu peux. Tu peux le battre. Oh. Ah ben, je suis con aussi, je l'ai pas invoqué celle-là. Si ça peut m'être utile, en plus il me l'avait dit hier soir. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. C'est parti. Wow. Je me constate, les amis, désolé. Hein. Wow, qu'est-ce qu'il fait là? Oh putain, j'ai réussi à déclencher sa deuxième phase. Oh non, la phase. Concentre. Oh putain, oui, c'est vrai. Pardon, je dis des gros mots, je suis vulgaire. Bonsoir, les amis. On est sur Godric, je l'ai dit. C'est dans le titre. Je quitte pas tant que je l'ai pas vaincu. Et on est à sa deuxième phase. Oui. Bonsoir à tous, les amis. Bienvenue sur le live. On est sur Godric le greffé. Je suis sur sa deuxième phase, donc on va essayer de survivre à tout ça. Wow! Mais c'est qu'il est violent, ce truc. J'espère que vous allez bien. Ben, il faut que je vais aller de suite récupérer ça. Oui, évidemment. Non. Oh non, elle va mourir. Du coup, elle me sert plus à rien là. Allez, bonsoir White. Hein. Désolé, je me concentre. Hein. Oui, mais ça, j'avais vu qu'elle avait mouru. Non! Allez, je vais essayer comme tu dis. Hein. Je vais tenter de défaire Godric. Parce que Postmortem hier soir me disait qu'il était plus facile que Margit. Mais... je suis pas certain quand même. Hein.
On va essayer de se concentrer. Bonsoir à... Bonsoir les streamrunners. Sur Godric. Dang. Non, putain. Ah, putain. Purée, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Ton de violence dans mes mots, ton de... Ah, purée, il me manquait pas beaucoup, quoi. Et il devient lent après, avec son... dès qu'il a son truc, il fait mal, mais il... Ah! Ah! Ah, donnez-moi de la force! Bon. Bon, heureusement, j'avais récupéré mes trucs, mais bon, on va la réinvoquer, mais il faut lui faire mal. Il faut pas que... faut pas que je lui laisse de temps mort, là. Ben. Bon, je vais attendre qu'elle se... Eh ben. Ah. C'est bon. Ouais, elle était invoquée, c'est cool. Allez, on va recommencer. C'est jouable. Hein. C'est jouable, le post-mortem avait raison. C'est jouable. Hein. Déjà, je vais récupérer ça avant de les perdre complètement. Non, mais sérieux, mais c'est quoi ça? Allez, BIM! Bonsoir les amis, allez, on est sur Godric. Ah purée! Allez, 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 on est bien là, on est bien là, on le passe. Ça, on le passe. Wouah, putain! Allez, allez, allez. Tic. Non, putain, mais à chaque fois, purée. Désolé, je vulgarise, mais... C'est très embêtant. Je suis très chafouin. Godric est tombé. Fou. Putain, c'est énorme.
Oh purée, merci GG, merci White. Oh purée, oh le skill. Putain, deuxième fois ce soir. Deuxième tentative, bam. On l'explose. Rune majeure. Souvenir du greffé. Ah putain, c'est énorme. Purée, ah, désolé, je suis... On se pose 2 minutes, 19 000 heures. Wouah, merci Vidanels. Il y a du skill ou pas là ce soir? Merci, vous me avez donné de la force, c'est énorme, merci beaucoup. Faire face, non, on va monter un niveau. Ouais, bah, je peux monter qu'un seul niveau, faut pas déconner. Foi et machin, dextérité. Ouais, non, là pour l'instant, on va continuer sur la dex jusqu'à ce que je puisse. Alors, bah, du coup, ce truc qui me reste à faire, c'est. Il me reste pas que ça à faire, mais on va aller vers là-bas. Voir ce qu'il y a, parce que je ne connais pas, les amis, je ne connais pas. Ah, bonjour, cette fouine qui m'a toujours pris de haut. Il a eu ce qu'il méritait grâce à vous, croyez-moi. On aurait quand même que ce que je vous une fée horrible pour une personne aussi horrible de cœur que d'apparence. Ok, tu peux faire comme mon seul, pas vrai? Ouais, j'ai tellement envie de te taper. Là, j'aurais fait une dernière fois, mais... Ouais, non, c'est bon. Allez. Avançons. Avançons. Mais là, du coup, je ne sais pas du tout où je vais. C'est... Premier boss majeur. Ben non, plutôt second. Second boss majeur. Ah oui! Alors, du coup, ouais, on est sur la porte de là où je suis déjà venu ici. Mais par totalement de l'autre côté. Allez, si on fait la carte... Oui, je suis ici, mais j'étais rentré par je ne sais plus quel côté. Voilà, oui, quand je rentre chez les gens, j'aime bien casser des trucs, hein. Bon, c'est pas grave. Bref. Bon, vous savez quoi? Ouais, si je me dis pas de bêtises... Voilà, pour... si je dis pas de bêtises, vous voyez, on va regarder l'inventaire de la rune majeure que je viens de débloquer. Forge 1, forge 3... Ah ouais, je n'en ai qu'une, hein. Voilà, rune majeure dénuée de toute bénédiction. Restait-il lui sans pouvoir à la tour divine des Nécrolèmes de l'autre côté du grand pont du chevalier de du château de Walroge. Vous voyez, c'est-à-dire que porte principale, c'est par là. Donc on va se rendre tout de suite à la porte principale. Et on va tracer en direction de... on va aller tout de suite quitte à courir, c'est pas grave. Je vais voir si je peux utiliser mon cheval, mais on va se barrer pour aller tout de suite... Oui, c'est par là. Par là, sauf que je peux pas du tout. Alors. Ouais, je peux pas utiliser mon cheval. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée en fait. Les chouguettes non plus. Ouais, je crois que le plus sage serait de. Ouais, le plus simple c'est par là, c'est direct, mais. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà, voilà, vous allez voir très vite pourquoi pas de quoi. Et en plus là-bas, il y a un gros monstre. Il va me fracasser la gueule. Coup ! Voilà, ça va, il peut pas rentrer. On est bien là. Bonsoir les amis. C'est Senderskin et bienvenue dans ce live sur Elden Ring. Je viens à l'instant, il y a 3 minutes, de vaincre Godric le Greffé. Et donc, de ce fait, je vais aller tout de suite, en fait, au niveau de... Parce que je peux pas encore utiliser ma monture. Je vais tout de suite, en fait, aller restituer le pouvoir de... Voilà, Talisman du Dragon de Foudre. Tac, tac, tac. Je vais tout de suite aller restituer la... La puissance de la rune majeure de Godric. Et ensuite nous allons voir ensemble. Ce serait cool que l'on voit ensemble justement dans quelle direction aller. Ce serait super intéressant. Wow! Non mais calme-toi mec, hein. Wow. Oh non.
Wow, c'est vrai qu'ils sont deux, quoi. Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. Allez, on panique pas, on panique pas, on panique pas. On panique pas, on panique pas. Je gère. Voilà, ils s'entretuent là. Ils s'entretuent. Wow! Allez, attendez. Ils sont en train de s'entretuer, c'est cool ça. Bon, ils me flinguent un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, les amis. Si je peux lui défoncer ça. Ah mais parce que, ah oui d'accord. C'est qu'il y a, il y a le mec là-bas avec eux. Il y a celui avec des flèches là-bas en fait aussi. Voilà. Ça va, on récupère des... Récupère des... trucs, bah. Bonsoir les amis, bienvenue. Bienvenue sur Elden Ring. Je viens de vaincre... Wow, non mais sérieux? Oh mais toi, je vais te... On va aller restituer tout de suite la... la rune majeure. Non mais sérieux? Et l'entailleur sanglante, c'est que c'est puissant en plus ce truc quoi. Regardez. Voilà. Bam. Postmortem avait raison. Dans ce jeu, pierre de forge. Ah. Bon, pour l'instant, mais je trouve ça, je crois qu'il y a un truc de cristal là-bas. Ça sera cool. Voilà. N'hésitez pas à partager avec vous, avec moi, votre expérience sur Elden Ring, si jamais vous y jouez. Si vous avez des difficultés, si vous avez des difficultés, ça veut dire que vous êtes comme moi. Donc, entre nous, je pense qu'on peut se comprendre. Ouais, je suis le noob pro player. Bon, on est bien. Là, donc, on n'a rien. Allez, pénétrons dans la tour divine de Necroland. Ben, je pense qu'il doit y avoir un boss majeur, en fait, par région. Sachant qu'il y a plein de régions. Ben, c'est rien, là. Là, on n'a rien vu encore. Wow, regardez-moi ça. C'est absolument magnifique là. Allez, activons l'ascenseur et montons. Voilà, 12 000. Profitons, multijoueur, c'est pas la peine. Inventaire, équipement. Tac, voilà, bientôt. Non, c'est ça que je pourrais m'équiper, mais ouais, en fait, je crois que. Non, ben. Là pour l'instant, je suis plus puissant avec ma claymore level 6 plutôt qu'avec. Une autre épée, sachant que comme je lui ai mis l'entaille sanglante, même au boss, ça leur fait sacrément mal. Hein. Tout ce qui est saignement, à base de saignement, c'est une dinguerie dans ce jeu. La magie, je sais pas si c'est claqué au sol comme les Dark Souls, notamment la magie du feu, mais ça, on est bien. Comme ça, moi, je pourrais revenir ici quand je veux, s'il y avait besoin. Mais ce que je ne pense pas, parce que je pense que les autres runes majeures doivent être dans d'autres endroits. Voilà, on l'a activé tout de suite, la rune majeure, et s'en équiper surtout. Voilà. C'est bon. Rune majeure de Godric. Voilà. Si je peux m'en équiper. Quant à l'attaque sacrée, mais réduit la résistance. Attendez. Où est-ce que je m'en équipe? Ah non. C'est vrai. Excusez-moi, newbie que je suis. C'est au niveau de... c'est au site de grâce que ça se met. Donc... hop, voilà. Voilà, rune majeure, comme ça je m'équipe de la rune majeure. Voilà, ça augmente tout. Voilà, ça augmente tous mes attributs. Mélange, cendre de guerre, modifier les vêtements, voilà, monter à niveau. Est-ce qu'il y a moyen de monter à niveau? Bah, tu sais quoi, on va
va tout faire pour monter. Vous savez quoi? Allez, j'ai envie de monter un petit peu. Je monte un petit peu ma force quand même. Bon. Et maintenant? Voilà, maintenant que voilà, j'ai découvert voilà, la tour divine de Nécrolembe, j'ai vaincu Margit. J'ai vaincu en tant que boss majeur, je parle. J'ai battu Hagid le gros dragon, Margit, Godric. Et maintenant, logiquement, vous voyez là, ici, hein, vous voyez, palais surplombant. Donc ça voudrait dire que potentiellement par ici, il pourrait y avoir quelque chose à visiter. Mais je ne sais pas comment on y va. Ici, bah, les villages aux portes de l'académie. Donc l'académie. Donc je sais comment ouvrir l'académie, mais l'académie, je suis pas prêt encore. C'est pas du tout de mon niveau. Il pourrait y avoir également. Là, alors c'est ici là que Postmortem me disait que bah, de vaincre le dragon parce qu'il rapporte pas mal. Parce que là c'est pareil, il y a un dragon ici et juste après ici à l'arbre monde inférieur, il y a l'arbre monde de Mina, il y a également un autre boss. Donc ce sont pas des boss majeurs, mais qui ne se font pas. Par exemple lors d'un speedrun, potentiellement si on fait un speedrun 100%, faut battre tous les boss. Je pense qu'un jeu comme Elden Ring, c'est d'abord c'est que les boss majeurs. C'est déjà Hagil, Hagil, Margit, Godric et d'autres que je ne connais pas encore et que vous connaîtrez, que l'on connaîtra à l'avenir. Donc je sais que Yves Denals voulait que je vienne justement par ici, mais comment dire? Parce que lui, vous voyez, sous l'escalier de Celia, donc ça veut dire que ici, grande cristalline, ici il n'y a pas de truc. Donc c'est que potentiellement en fait le boss, je sais pas, c'est doit être par ici parce que là, tout ça, ça tourne en rond. Je claque, vous voyez là. Là, et donc ici. Donc ici, là, il y a quelque chose à faire. Pardon, Celia. Ici, je crois que c'est la zone où il y avait plein de magiciens. Donc, cabane ascétique. Donc là, concrètement, voilà, j'aimerais bien en fait terminer la zone des Nécrolems, mais genre dans son ensemble. Et je sais que, par exemple, la Siofra, on ne l'a pas fait. Ça ici, le For Eight, bon, on l'a fait, mais il n'y a pas de boss au For Eight, hein. Ben, il me semble pas en tout cas. Et là, ben, voilà, là ici le viaduc, et ici donc il y a quelque chose. Et ben, vous savez quoi? Ah non, mais, ah, mais c'est là où je me faisais poutrer en même boucle là. Ouais, je vois comment est la zone, mais pas pour l'instant. Non, je préfère, j'aimerais bien explorer un petit peu. Vous voyez, les zones, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des zones que je n'ai pas. Oui, là, ouais, vous savez quoi? Allez, oui, ça, voilà, fais le point. Voilà. Ben, non, mais je suis con, je le fais exprès. Voilà, le point 1, on va se téléporter ici. Falaise sur. Non. Chaussée, voilà. On va plutôt aller au sud de la chaussée et on va aller tout de suite. On va aller tout de suite se rendre au point 1, comme ça, on est pas mal. Point 2? Attendez, j'ai un point 2. Non, 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 je suis pas d'accord. Bon, c'est pas grave. Allez. C'est au point 1 qu'on veut se rendre. Donc, allez, au point 1. On va voir ce qui se. Ah, putain, c'est là-bas. Ok. Ah, purée. Ah oui, d'accord, je me souviens exactement où on est ici. Je sais que c'est un peu tendax. Voilà, bon, ça va. Ça fait un petit peu mal, mais ça va. C'est rien de. C'est très méchant. Par contre, je sais que c'est une zone qui est assez dure. Enfin, pas dure, mais en tout cas un peu flippante. Bon, là, j'ai déjà récupéré la carte, c'est pas tout ça. Ça me permet de récupérer un petit peu de points à y être. Ça fait toujours plaisir. Wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attendez, on va se régénérer parce que ça va pas ça. Wow! Sérieux? Ruine. Oula! Oh, ça sent le boss ici.
Attendez, attendez, je descends. Et alors attendez. Tac. Bon, est-ce que ça vous dit on tente ça? Mais vous savez quoi? On va voyager. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Allons voir tout de suite ce qui se trame par là-bas. Ça va, Yves and Else? On est bien? Oula. Oh putain, sérieux? Attends, sérieux, c'est de là ça va. De là-bas ça m'envoie. Oh purée. Bon, désolé, l'ami, on y est. Bon, on y retourne parce que là, c'est. Ok, je le saurai. Bonsoir à ceux qui rejoignent le live, les amis. J'espère que vous allez bien. On poursuit, voilà, je poursuis ma légère petite aventure sur Elden Ring. Non, je déconne, c'est une grande aventure. On est parti pour. Je vous l'ai dit, on est parti pour plusieurs mois de live sur ce jeu. Donc je veux en fait que quand vous, si jamais vous êtes une grosse communauté et que vous voulez m'en parler, je sois apte à vous répondre. Et pour l'instant, je suis trop noob pour ça. Là, je suis du niveau de... Ouais, je suis un petit joueur là encore. Hein. Même si techniquement, ce soir, je viens de vaincre Godric le greffé. Donc je sais qu'il y a pire, hein, je vous rassure. Mais on est pas mal quand même. On est pas mal pour moi, je suis assez fier de moi. Parce que j'ai pas trop ragé et je l'ai battu au deuxième. Je l'ai battu au deuxième. Au deuxième combat. Donc je suis assez fier de moi. Bon, par contre là je trace parce que je sens le vieux truc tout pourri arriver. Alors là on était pas mal ici, on était voilà dans les. On était sur des. Voilà, les ruines de la Skia. Donc on visite. Je sais que Yves Daniels m'avait dit. Postmortem m'avait dit tu vas trop vite, tu profites pas. Oui, non mais en même temps, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux profiter dans les marécages? T'en déconnes. C'est beau, c'est brumeux, c'est aventureux, les vieux, c'est mystérieux, ok, mais. Non mais sans déconner, même un cristal me fait peur. Ah putain, ah d'accord, mon truc il est. Waouh. Ok. Bon là on a l'air. J'ai l'air d'être sur des ennemis qui sont plus ou moins ma portée ici. Ouais, j'ai dit plus ou moins. Qu'est-ce que c'est ça en face? Je sais pas. Attendez, je vais aller, vers là. Ok. Bon, je peux pas me poser. C'est pas grave. Ok. Ah purée, oui, je sais où je suis. D'accord. Ok, bah eux, ça a l'air d'être des gros magiciens. Donc, bon, ben c'est quoi? Allez! Voilà, il faut pas que je le laisse faire surtout. Attendez, à plus, je tiens pas mon épée à deux mains. Attendez, hop. On va y aller tranquille, on va aller safe. Allez, le petit vieux là-bas, on se le fait. Voilà, on est bien là. Voilà, ah bah en plus il me filme mon truc. Alors attendez, on va juste récupérer l'objet qu'il y a ici. Ça sera pas mal. Voilà, papillon flamboyant. Et ben, vous savez quoi, on va se tenter le... Le petit cas ici. Waouh. Non mais toi, tu t'es pris pour qui? Sans déconner, tu sais. Bon. Oh! Bréviaire de moine gardien de feu. Oh, ça me permet d'utiliser du feu, ça serait cool ça. Allez. C'est tout ce que. Eh bien, c'est bon, tu vas sauter. Hop, attendez. On va récupérer. Voilà, on va récupérer les petits. Hop, attends, il y a un petit truc à récupérer ici.
Le feu brûle à moi. Ah oui. Les emotes. On va changer, un peu changer les emotes. Hein. On va vers le haut, blablabla. Geste de la main. Et ben c'est quoi ce que je viens de récupérer? Accueil chaleureux. Non, que voulez-vous? Ouais, moi je serais plus que sur le coup voulez-vous. Ils vont se faire voir et puis quoi encore. Hein. Ok. Bon, mais c'est encore vers là-bas. Mais c'est en haut, me semble-t-il que c'est. Voilà. Donc il va falloir que je monte un peu vers la gauche. Parce que c'est en hauteur. Parce que là-bas, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc nous allons devoir grimper ici, visiblement. Ben, je crois. Ouais. Je suis pas ultra convaincu quand même. Bon, on va faire le tour, hein. Ne soyons pas fous, ne soyons pas dingues. Alors, mes amis. Non, franchement, putain, j'y reviens dessus, mais franchement, je suis fier de moi. D'avoir vaincu Godric. On sent le castagne d'oignon. Alors, où est-ce que je peux grimper? Eh, bonsoir, Ink Pikachu. Merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai pas l'impression que tu peux garder le titre de Noobrun. Bah de toute façon je le mets plus je le mets plus le truc mais Eh on est à 5,99. On est à 1 follower des 200 abonnés. Des 200 followers sur Twitch. Merci infiniment les amis de me faire confiance. De partager votre expérience avec moi. De visualiser, enfin d'être très très extrêmement nombreux à suivre mes lives. Et du coup, non, là, il n'y a plus de Noobrun là, de toute façon, Yves Denels. Merci Pikachu en tout cas, ça fait super plaisir. Attends, par contre, je suis en train de complète. Ah ben non, c'est. Ah, mais c'est en haut. C'est ce que je cherche, n'est pas en bas, c'est en haut. Voilà. Là, je vais juste retirer mon point. Voilà. Et je vais essayer de. Tout simplement, en fait, c'est de monter. Voilà, d'aller plus haut. Là, je suis en train de me perdre. J'aimerais bien me monter, en fait, tout simplement. Ici. D'ailleurs, les Noobrun, c'était sur Dark Souls, ça. Comment ça s'appelle? Sur Elden Ring, je n'ai jamais mis le titre de Noobrun. Hein. Donc, c'est toi, le Noob, là. Hop, hop. Oh! Oh, oh, oh! C'était le titre de... Ah ouais, peut-être. Effectivement. Bon, allez. Allez, peut-être. Je te le concède. Oui, effectivement. Allez. Allez. Si tu veux. Si tu veux, bon, allez. Mais depuis je l'ai retiré. Non! Non! Bon, c'est pas grave. Allez. Allez. Non, mais sérieux? Allez, faites-moi grimper, là. Allez, allez, on utilise les bugs du jeu. Allez, le jeu est claqué au sol. Merci Yves Denels, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il faut encore que j'améliore quelques petits trucs au niveau de l'interface de ma bio, etc. sur Twitch. Mais voilà, en tout cas. En termes de présentation, j'essaye de faire du mieux que j'ai peux, de mieux que je peux. Donc, et je ne compte pas m'arrêter. Je vous l'ai dit, Elden Ring, on est parti pour une aventure longue et haletante. Donc, et en même temps que, en fait, en même temps que je stream sur Elden Ring, si vous avez d'autres jeux vidéo auxquels vous voulez parler et qu'à terme vous voulez que je vous présente également d'autres jeux, je suis pas fermé à l'idée. Donc n'hésitez pas à me le dire. Mais de toute façon, dès que je peux, je vous proposerai des lives horrifiques. Sur par exemple, allez, un jeu que je sais qui fait extrêmement peur, c'est Visage. Visage est un jeu horrifique. D'ailleurs, je pourrais, si jamais
en fin de live, si ça vous plaît, je peux vous montrer la bande-annonce et vous me direz ce que vous en pensez pour vous proposer à terme des lives horrifiques sur Visage jusqu'à le terminer. Alors c'est justement, comme c'est un jeu d'horreur, c'est pas un jeu qui est aussi long qu'un jeu comme Elden Ring par exemple. Mais pourquoi pas justement, voilà, vous faire découvrir d'autres types de jeux. Mais en attendant, Elden Ring reste ma série principale, mon let's play principal sur Twitch, ainsi que vous avez les VOD sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Non. Non mais sérieux. Oh purée. Mais quel noob. Je suis un noob. Je suis un noob. Bah ben du coup on va repartir. Non sérieux, je dois me retaper tout ça. Non mais c'est y a pas un point de ici là. Ah ben voilà. Voilà, ici ça sera vachement plus rapide pour pouvoir y accéder. Allez, reprends ça. Donc n'hésitez pas à me faire si jamais du coup mon travail vous plaît. Parce que mine de rien, streamer c'est un travail. Hein. Donc si mon travail vous plaît, et que à terme les amis, si jamais vraiment, voilà, je parle pas de ma vie privée ni quoi que ce soit, mais si vraiment en fait vous êtes nombreux, nombreuses et nombreux à me suivre, à suivre mes pérégrinations et tout ça, dans plusieurs mois, si jamais vous êtes vraiment une communauté d'exception, il se pourrait que je puisse songer à me consacrer en fait à 200% dans cette passion qu'est le jeu vidéo et cette passion qui est de vous faire partager en stream, en live, ma passion sur Elden Ring, sur Dark Souls, sur le jeu vidéo dans son ensemble, du rétro gaming, je suis ouvert à toute proposition. Donc, à toute proposition, voilà, en termes de jeu, je parle, hein, on est qu'on soit bien d'accord, hein. N'est-ce pas, Billy? Ah oui, Kevin. Bon, on va tout de suite récupérer, voilà, oh, je suis pas loin, je vais récupérer ça dans très peu de temps. Je crois que c'est par là, ou c'est de l'autre côté. Enfin, je sais que, voilà, je vais récupérer tout de suite mes trucs. Me dis pas que c'est en haut. Non. Ah ben, visiblement, c'est en haut. Petit lag, c'est rien, ça. Hop hop hop. Non. C'est dur. On va faire super attention. Voilà. Bonsoir les amis. Bienvenue, installez-vous confortablement. Faites comme à la maison, mettez les pieds sur la table. Servez-vous un truc frais ou un truc chaud. Un petit lait chaud, ça passe tout seul avec un peu de sucre. Rajoutez un peu de miel si vous avez mal à la gorge, ça passe tout seul. En ces temps moroses. Quel hiver et autres actualités malheureusement qui se passent à travers le monde. Mais nous ne sommes pas ici pour tergiverser ni pour quelque chose d'autre. On est là pour profiter déjà de moi et de mon skill sur Elden Ring. Et que j'essaye en fait, j'essaye tout, c'est tout con, mais j'essaye tout simplement de me rendre ici. Mais je crois, mais j'arrive pas à, je pense que je suis un peu con. Voilà, j'essaye de... Alors, je pense qu'on va faire le tour par la gauche, hein, par là-bas. Tout simplement, alors attendez, ouais, si je vais par là, faut juste que j'arrive à... Faut tout simplement que j'arrive à descendre. Hop là. Voilà, je vais tout simplement, voilà, descendre et contourner. Et là, j'ai envie de les tataner. Oh non, j'ai trop envie là. Voilà. Ah, ça fait du bien de se battre. Ah, ça détend, les amis, ça détend, ça détend, ça détend. Bon. Et alors, contournons. Contournons. Wow. Il y en a beaucoup trop ici. Waouh. C'est beau. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Oh, un truc ici. Hop. Est-ce qu'il y a une entrée par ici? Oui, il y a une entrée. Oh, ben voilà. On est bien là, regardez-moi ça. On touche la grâce. Voilà, je me pose. Hop, et on va rentrer. Tout simplement. Regardez là-haut.
tour du prosélyte. Cool. J'ai un message. Que les réductions vous guident. Bon. Pierre d'éclat du coucou. C'est la pierre qui sert à faire coucou. Ah mais j'en avais déjà, ok. Consomme des PC pour créer des projectiles magiques. Ok. Donc pour moi ça m'est complètement inutile. Hein. Parce que autant Yves Daniels me disait que ceux qui jouent avec des boucliers c'est des gonzesses. Hein. Ceux qui jouent à distance c'est des fiottes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bref. Donc c'est là où que j'aime. Voilà, vous voyez, c'est ici là. Et vous voyez, je suis en direction de cette direction, et c'est ici que je vais aller. Donc je vais essayer de contourner ben, par là-bas, tout simplement. Voir s'il n'y a pas une... Ah non, mais voilà. Voilà, au moins c'est dit. Là, je suis désolé, si on part du principe de par rapport à ce que tu m'as dit. Voilà, ceux qui jouent, si les boucliers, c'est des gonzesses, je suis désolé, mais voilà quoi. On va récupérer des... Donc on va faire le tour. Ah, mais là, je vais y aller. Là, je sais que vous adorez le... Vous adorez quand je rage. Vous allez encore plus adorer. Oh putain. On va faire le chamois. Bon, en fait. Ah mince, ouais, d'accord, mais on peut pas. Ok, y a vraiment. On peut pas. Ok. Donc là c'est le vide. Pourtant, il est censé y avoir quelque chose, mais. En bas. Donc là, la tour du prosélyte, c'est là où j'étais. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un endroit que je connais pas. L'arbre qui est en bas, ça. Vous savez quoi, on va y aller. Je sens qu'il y a un truc là-bas. Je sens ici, là, déjà, je sens les peaux, là. Je sens qu'il y a pas mal, de trucs qui partent ici. Visitons. Je sens qu'il y a un boss ou quelque chose ici. Oui, j'ai bien senti. Bon les amis, c'est parti! Attendez, je vais faire ça. Waouh! Bah mais sérieux? Ah, il les a défoncés, quoi. Alors, ça lui fait super mal, mais il me fait super mal. Allez, c'est un boss, hein. On est d'accord, c'est un boss, hein. Puissance du tir. Ok. Bon. Allez, j'étais en train de me faire une popo, là. Non, mais ça déconne. Ah, oh mon dieu. Bah ça va que je reste juste à côté. Bon déjà, je vais dire c'est pas un boss majeur, je n'en sais rien. Ça va, hein. Hein. De toi à moi, ça va, ok. Putain, mais je suis juste à côté, quoi. Bon, j'aimerais bien le récupérer en fait, mon truc. Où est-ce qu'elles sont, mes cendres? Ah, c'est là. Est-ce que... Non, mais je sens que je suis pas encore assez puissant. C'est pas mal, hein, mais... que je suis pas encore assez puissant pour lui. Non, je... Bon, c'est pas mal.
Bon, et là, du coup, attendez, je vérifie tout simplement est-ce que c'est. Ok, d'accord, ouais, ok. Donc là, je suis en train sur la route de. Non, 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 là, je préfère. Je préfère Fort Ace. Et la Siofra, je crois que c'est par là. C'est quoi? On va aller. Voilà, on va aller à l'ouest. Dans la Siofra. Alors, par contre, les amis, hier, j'ai fait un live de un petit peu plus de 2 heures. Soyez d'accord, hein. Donc, ce que je vous propose. Là, je vous fais des énormes bisous. On se retrouve soit dimanche pour 20h, soit lundi soir 20h30. Si c'est que lundi soir, ben écoutez, ça signifie que vous aurez passé un excellent week-end et que bon, ben moi aussi, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein. Allez, je vous souhaite un excellent week-end encore une fois. Je vous fais des bisous, mes petits skinny, et je vous retrouve soit le dimanche, soit lundi soir pour un nouveau live sur Elden Ring. Et je vous dis. À très très vite et portez-vous bien.